Le gouvernement Kiaboula tient à venir à bout des actes d'insécurité causés par les jeunes désœuvrés, communément appelés Chégué. Ce samedi, après une opération menée la veille par les services de sécurité à l'initiative du gouvernement provincial, 320 d'entre eux ont été appréhendés et regroupés dans l'enceinte du complexe scolaire Kiwele. Ils ont été présentés au vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa Kimimba, qui les a ensuite mis à la disposition du service national, représenté par son directeur, le général Jean-Pierre Kasongo, et ce, après leur avoir remis une tenue à chacun. La population nous a demandé de trouver solution à ces problèmes sociaux. Et l'autorité provinciale a contacté le service national pour que ces jeunes gens que nous voyons aujourd'hui dans cet état puissent être transformés en des citoyens qui vont servir le pays. Voilà ce que vous venez de voir ici, c'est la première vague. Ils vont aller rejoindre le centre de Kanyama, KCC. Pour le général Jean-Pierre Kasongo, il s'agit là que d'une première vague. Dans la province, on sollicite qu'il y ait minimum 5 rotations, parce qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, ça concernait que la ville de Lubumbashi, mais il y a d'autres villes en province, dans la province du Haut-Katanga, qui auront besoin aussi de balayer leur ville avec des jeunes. Ils ne sont pas seulement désœuvrés, mais ces jeunes, petit à petit, commencer à constituer une menace pour la sécurité de la province et de la ville. Certains jeunes interrogés reconnaissent avoir opéré comme criminels et saluent cette mesure du gouvernement. Ce qui a bien sans la ville est en Afagne, il y a vraiment une loi moins gissante. Mais il y a bien ça, puis il y a une Afagne. Je me suis arrêté à Téna. Il n'y a pas de cas de bouche, il y a une fenêtre à Bantou, il y a une ville. Je suis en train de bloquer Bantou, mon ville. Alors que les opérations de rassemblement d'autres jeunes désœuvrés se poursuivent, des rotations d'avions sont attendues à partir de ce dimanche 8 mai entre Lubumbashi et Kanyama KCC, où ces jeunes gens vont être formés et rendus utiles à la nation.